Salut tout le monde, salut Rexo. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure que vous regarderez cette vidéo. Voilà, et puis en plus toi, du coup c'est le soir et moi il fait plein jour, parce que déjà on est en décalé, tu vois. Donc en Eh fait, oui, décalage horaire. donc en plus ça dépend de où vous regardez la vidéo. Alors donc pour aujourd'hui, tu vois, c'est assez spécial quand même, hein. Et puis tu es l'initiateur du renouveau, du renouvellement, mais du Oh renouvellement là de là. quoi? Du J'ai renouvellement. inventé un nouvel expressionnisme, ça y est. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Mais en tout cas, oui, renouvellement et retour sur ma chaîne des vidéos, votre collection. Et tu es le nouvel Ouais. initiateur, Exo. Oui, je suis l'élu. Tu La force, en tout cas. es... C'est ça. Alors, il y en a qui connaissent pas du tout, hein. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les vidéos, votre collection, vous avez juste à taper Kishnifou, votre collection, et puis vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos où à l'époque, il y a 3 ans, oulala, il y avait C'était la des belle 3-4 époque. ans, ouais, il y avait des gens qui montraient leur collection, et c'est vrai que passé un temps, bah, après, j'avais plus forcément la possibilité, ni l'envie, on est d'accord, hein, parce que des moments, les envies de faire des vidéos, ça passe et ça revient, comme aujourd'hui, voilà. Donc, si jamais j'ai plusieurs petites annonces à faire, en ce début de vidéo, déjà première annonce, si jamais vous avez envie de montrer votre collection, que ce soit Star Wars ou autre, eh ben venez, regardez, Oui, là on est surtout. à la bonne franquette. On fait ça entre nous, ensemble, et puis bah, vous montrez. Alors là, ce qu'on va faire, c'est assez différent parce que Rexo, il avait fait une vidéo de sa collection il y a quelques temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est Oui. qu'on va regarder sa vidéo sans son et c'est lui qui va la commenter. Effectivement. Mais normalement, ce que je préconise, c'est que vous ayez une caméra et que je la découvre en même temps que vous me la montriez directement sur Discord, par exemple, et que vous commentiez votre collection. Ce que vous avez qu'à faire, c'est regarder sur YouTube mes anciennes vidéos collection. Vous verrez un petit peu comment ça marchait. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse comme ça. Eh bien, si je peux Oui, juste vas-y. rajouter ce cas à part, en fait, c'est juste que, voilà, c'est une idée de collection qui date effectivement de 2017, hein, c'était pour les 10 ans de ma collection Lego Star Wars, c'était aussi l'année des 40 ans du premier film Star Wars, donc voilà, mais aussi parce que, tout simplement, que j'ai récemment arrêté mon ancienne chaîne Rexo Prod, J'allais donc en c'est pour ça que je parler. ne pouvais pas... Oui, alors on allait en parler, alors... Pas tout de suite, en tout cas pour ma part, mais voilà, c'était juste pour expliquer le contexte de cette manière, comment se fait cet épisode, du coup, enfin Ouais, cette c'est vidéo, en ça. tout cas. C'est pour ça que c'est un peu particulier. Oui, on va lire sa C'est très vidéo et lui, particulier. il va nous l'expliquer. Mais Voilà, pour les donc. prochaines, voilà, ce serait bien que vous puissiez me montrer directement avec votre petite caméra. Là, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, hein, votre collection et puis qu'on échange comme ça, tout simplement. Et donc, deuxième annonce, oui, de ce que je voulais parler. Vous voyez un nom affiché à l'écran. Cinérexo, c'est le nom de la chaîne, donc de la nouvelle chaîne, de ta nouvelle chaîne, hein, Rexo. Exactement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller l'aider en allant consulter sa chaîne et pourquoi pas vous abonner si vous appréciez son contenu. Le lien de sa chaîne est en description. Donc, vous Oui. pouvez y aller. Franchement, je vous y encourage parce que c'est quelqu'un d'extrêmement passionné par le cinéma qui aime en parler. Ça se sent quand tu en parles, tu vois, tu aimes ça. Donc, je suis sûr et certain Exactement. que tu pourras intéresser pas mal de monde qui sont tout autant intéressés par le cinéma que Oui, toi. je propose aussi du contenu intéressant, donc n'hésitez pas à suivre sur ma nouvelle chaîne, donc Cinerexo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner de l'argent. Voilà. Oui, voilà, Allez, c'est fait. vous pouvez aller lui donner. Alors, je crois qu'il a un compte Tipeee, Utip, etc. Non, je plaisante, je crois que t'as rien de tout ça, mais. J'ai pas encore des sponsors, alors Non, c'est calmez-vous. ça, ouais. Mais bon, et puis surtout que je pense que vous avez dû voir passer d'ici à ce que cette vidéo-là sorte, la vidéo présentation de sa chaîne qui est déjà sortie sur ma chaîne au moment où vous regardez cette vidéo, mais qui n'est pas encore sortie au moment où on enregistre. C'est ça, Oui, retour vers le futur, c'est ça. Tintin. Exactement. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sans plus tarder. Et limite, j'ai envie de te dire, si tu as envie de commenter déjà la première image qu'on a sous les yeux, je ne t'en empêche pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo de base, qui dure, il me semble, 12 minutes, hein, donc c'est une durée assez correcte, hein, donc à la base, je faisais ma petite introduction pour expliquer comment va fonctionner le reste de la vidéo, donc voilà. Et je fais en fait chaque armée en fait présente dans la saga Star Wars, donc que ce soit en partant sur la chronologie des films, donc la République, séparatistes, les rebelles, l'Empire, la Résistance et le Premier Ordre. Et ensuite j'ai fait aussi les 100. Alors
pas d'affiliation, donc c'est-à-dire des groupes mercenaires, des pirates de toutes sortes qui n'ont pas de vrai camp en fait, donc D'accord. qui font partie quand même de l'univers Star Wars. Mais Donc voilà. on insiste quand même sur le fait que ta collection est en fait principalement axée sur des Lego. Oui, parce que effectivement, j'ai une passion pour ça en fait Voilà. Non, mais je pense que depuis c'est bien de le depuis des préciser années. parce que peut-être certains après ils disent ah, collection Star Wars, ouais, figurines, etc. Mais non, non, ça peut être vraiment tout et Alors, n'importe quoi, dont les Lego. effectivement, oui, Et. je collectionne, alors peut-être plus trop actuellement, mais je collectionne effectivement les Lego Star Wars parce que c'est quelque chose qui j'étais enfant. Mais Oui. en fait, finalement, en y réfléchissant, je collectionne de toutes sortes de choses. Alors, pas en faisant des grosses collections, mais par exemple, là, j'ai aussi des grosses étagères de DVD, tout ça, mais je ferai ça pour un teasing pour une prochaine vidéo, qui sait. Ouh. Et là, oui, les Lego Star Wars, entre autres, font partie de ma plus grande Et collection que d'ailleurs, j'ai. à noter que j'étais avec toi au moment où tu as acheté une pièce de ta collection qui ne sera pas présentée ici parce que je pense que c'était avant. Oui, elle n'était pas encore présente, mais c'était bon temps, effectivement, on Mais était sur Nico et Lyon. moi étions avec toi et Ah, les souvenirs. Ah ouais, non mais c'était génial ce moment-là. Oui, parce que pour Voilà. ceux qui ne le savent pas forcément, parce que j'avais publié la vidéo sur ma chaîne, je sais pas s'il y en a qui l'ont vue, mais en tout cas, avec Nico et Rexo, on s'était retrouvés à Lyon, on avait passé une journée mais géniale, on avait visité plein de trucs et tout, moi j'en ai un super souvenir, c'était génial. On avait même fait le musée du cinéma et des miniatures, ça c'était fou. Ouais. Non mais franchement énorme, c'était super souvenir. Donc on a bien fait de le faire avant que je parte. Voilà, donc ça c'était bien cool. Donc ouais, je te laisse enchaîner et puis bah je te laisse en fait me dire quand tu veux avancer dans la vidéo et quand tu veux arrêter. Bien, on va commencer sur le moment où on commence avec la République. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'ai mis des musiques pour des extraits de musique pour chaque camp, pour correspondre finalement et pour avoir une certaine dynamique et énergie de la vidéo. Bon, vous doutez bien, avec les droits d'auteur, c'est compliqué, hein. Heureusement qu'elle n'a pas été strikée pour ça, mais voilà. Mais attends, mais en plus, je suis en train de voir un truc. Elle a cartonné ta vidéo. Et oui, sans me vanter, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne, donc Mais sérieux, j'avais merci. pas vu ça. Merci à tous ces gens qui. 24 354 vues. Et oui, hein, je m'attendais pas à ce tel résultat, Mais mais il faut attends, croire que les gens sont très intéressés par ça, donc c'est t'es à la vraiment bien. moitié de mon coup de gueule. Eh C'est incroyable. ben, je t'ai pris tes vues, hein, faut croire. Oh l'enfoiros! Quelle indignité! Non, mais c'est bien! Non, mais franchement, j'étais là, je regardais les likes, je faisais 470 likes, je fais 24 000 vues, je fais waouh! Putain, Rexo! J'aimerais bien que ce soit pareil pour ma nouvelle chaîne, tiens. Ouais? Non, on est bien d'accord, on court pas après les vues pour être over connu, etc. ou quoi que ce soit, mais Bien sûr ça que fait toujours non. plaisir, ça fait plaisir, c'est d'avoir son Mais travail oui, ça qui est fait plaisir. regardé, donc c'est génial. Non, mais même, je pense, enfin, rien que là, l'image que je vois, enfin, je veux dire, t'as mis du temps pour tout préparer et tout, donc c'est complètement mérité. Donc, franchement, cool. Oui, j'étais très content de Non, ce ouais, moment, voilà. excuse-moi, je t'ai coupé un peu, mais tu me dis quand je peux avancer, évidemment. Mais tu peux avancer quand tu veux, Ok, écoute, bah, j'avance et je puis tu me commenterai. dis dès que j'arrête. Mais effectivement, tu disais juste avant que tu avais mis des musiques et tout ça. Pour le bien de la vidéo, je ne mets pas le son parce que déjà, c'est Rexo qui me le commente en direct. Et puis en même temps, voilà, on veut pas Oui. s'embêter avec des droits d'auteur parce que le Oui. Kishni, il veut toucher ses centimes. Hein. Et puis je dois payer Oui, Rexo mais en demi-centime sinon, après. Robot Donc, YouTube, il va pas être content. non, bref. Allez, donc j'avance un petit peu dans ta vidéo. Tu me dis Donc là, on quand commençait j'arrête. par La République qui constitue pratiquement la plus grande partie de la collection. Donc pendant un temps, je collectionnais notamment les sets autour de la trilogie et notamment de prouver que Lego faisait selon moi les meilleurs sets Lego Star Wars, et très attirant même encore aujourd'hui. Donc La République avec tous les bataillons de clones, des Jedi, un peu des sénateurs par-ci par-là de la République, les Ouais. véhicules surtout qui restent impressionnants, je trouve, à les exposer. Oui, mais tu t'es embêté déjà à bien les positionner et tout. Je trouve ça super impressionnant, vraiment. Ouais, effectivement. Donc ça reste une très bonne chose, hein. C'est très impressionnant, Ouais, et voilà. puis attends, Grande armée j'arrête de la un peu la vidéo. République. J'arrête un peu la vidéo. Ouais, t'as des sacrés engins et tu les as montés du coup tout toi-même?
Oui, bien sûr, voyons, tu crois que je suis incapable? Ah non, c'est pas ça, c'est juste que moi je n'ai aucune idée du temps et de l'énergie que ça prend. Tout ce que Bah, je sais, c'est que tout moi je ne dépend en suis fond. pas très manuel du tout. Donc pour moi, chaque chose montée comme ça qui ressemble à quelque chose, c'est un exploit. Alors je tenais à le dire. Après, il faut pas oublier que mon tout premier set, c'est une petite boîte, un petit battle pack, j'avais dit en début de vidéo, un petit battle pack droïde, donc. Tout commence par un petit truc et que après, hop, ça évolue. C'est ça, c'est que ouais, la collection, elle doit s'enrichir au fur et à mesure, et c'est après des mois, voire des années, que tu vois le résultat final, que tu vois vraiment Et oui, tu vois le à gouffre quel point c'est financier que j'ai fourni. et aussi Ouais, mais le bon, manque c'est de dans ta. place que je manque à voir. Ouais, mais c'est après, c'est le financier, mais dans ta passion, donc je veux dire, c'est bien, c'est cool. Je me Oh, permets de merci. continuer, d'avancer? Oui, bien sûr. Évidemment, tu Après, me on va dis. aller sur les séparatistes, non, je pense. Ouais, mais là, enfin là, c'est déjà très impressionnant de voir tout ça. C'est bien diversifié en plus comme pièce de collection. Donc non, non, c'est vraiment chouette. C'est cool. Donc là, on arrive sur la deuxième, c'est ça, sur les. Il est lassé ici, ou les séparatistes. Voilà. Putain, oh là là, le nombre Là de. aussi, une armée assez imposante. Hein. Bon, peut-être un petit peu moins que la République, mais en même temps, on va pas se mentir, on préfère les clones. Mais voilà, une bonne faction rivale, Attends, comme il attends, faut. attends, attends, c'est celui qu'on voit au premier plan là. Pourquoi t'as un Père Noël? Lequel? Alors, faut savoir que, comme je collectionne des Lego, aussi, je collectionne un petit peu les calendriers de Star Wars, dont certains méchants ont été un peu le Père Noël pendant certaines années. Est-ce Donc que c'était tu assez es. drôle d'avoir un Darth Maul de Noël, d'avoir un Jango Fett Noël aussi, donc tous les engins de guerre, séparatistes notamment. Ouais. Il y en a aussi que j'en ai eu en plusieurs exemplaires, d'autres non. Après c'est des versions différentes pour certains, enfin pour certaines, ouais. D'autres non, voilà. Il y en a, mais je connais même pas. J'ai l'impression que même ils sont des couleurs différentes par rapport à ce qu'on voit dans Oui, les alors après films. il y a du mélange de Clone Wars sous des films aussi, donc ça donne quelque chose de différent. Ok. Donc là on est aux rebelles. Ouais. Donc, une faction que j'ai moins de trucs, malheureusement, parce que j'étais pas trop dans la trilogie originale pendant un moment. Donc là, Ah, on a eu déjà pas divers mal. héros de la, on a divers héros de la saga, notamment des versions de Luke Skywalker, Obi-Wan, Yoda, Leia, Han Solo, Chewbacca aussi, C-3PO. Vous avez même en version Noël. Ouais, c'est trop Voilà. bien. Chewbacca blanc. Oh là là, c'est Et génial. ouais, c'est le Yeti blanc. Donc, voilà. Après, vous avez différents astro-mécanos de la rébellion, les soldats rebelles. Ah ouais, mais. Et Voilà, puis, ouais, voilà. parce que des fois, t'en as même en double. Ou alors, t'en as qui sont juste avec des skins différentes, en fait. Oui, c'est ça. Parce que des fois, les Lego, ils font des versions différentes des personnages. Donc des fois, tu peux pas trop une vraie compatibilité si tu veux faire des mocks ou d'autres choses. Mais voilà, ça Ok. reste Alors j'en vois qui de n'ont la pas même forcément de filiation. casque, mais. Voilà. Oh, Donc les là, il y a tourelles. très peu de choses, hein. Elles Des sont hautes. tourelles, des quelques chasseurs. Les chasseurs, oui. C'est ça a coupé, je crois. Bon, on a retrouvé Rexo. Donc je te Qui était permets d'enchaîner. perdu. Dans 3, 2, 1, on démarre. Donc là, vous avez donc différents vaisseaux et vite fait véhicules de la rébellion, hein, de toutes sortes, que ce soit les films ou les séries, notamment Rebels, Ouais. ou même Rogue One hein, aussi, Ah aussi. voire même un petit peu de Battlefront aussi, Ah quelque ouais. part. Donc là, c'est un peu maigrichon, j'avoue, mais Ouais, voilà, attends, c'est déjà entre-temps, pas ça a un mal, hein. petit peu évolué aussi en 3 ans. Attends, si on met Donc là, tout sinon. assemblé, les trois là, ça fait beaucoup, hein. Ouais, donc là vous avez différents soldats, des pilotes surtout, les Jedi, les héros de la rébellion. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour une bonne rébellion. C'est vrai. Et là, l'Empire? Voilà l'Empire aussi, hein. Donc un bon empire, voilà, avec les différents personnages, les troupes, les garnisons, différentes versions de Dark Vador, de Ouais. l'Empereur, des officiers, des pilotes, Death Troopers, etc., etc. Voilà. Donc, Ouais. j'étais content d'avoir un petit bataillon de Stormtroopers. Empire, et encore, et notamment notre cher Fawn, voilà. Niveau véhicule, c'est un peu maigrichon, mais un petit peu plus que les rebelles, donc des motojets, Oh ouais, mais c'est des la sacrés navette Imperium, engins. Wow. AT-ST, le chasseur de Vador, le tank dans Rogue One, quelques petits véhicules, des battle packs aussi, Putain, etc., impressionnant etc. les gros véhicules là. Hein. Oh,
Waouh! Ah oui. Ah, ça c'est pas. À monter, t'as dû t'y amuser quand même. Hein. Après, est-ce que c'est assez facile à Eh monter? oui. Ce en soi pas très dur si tu suis très bien le plan. Non, Ouais, mais c'est pas comme Ikea, à la fin, il te manque une pièce, non? non, t'inquiète pas. Non, ça va, c'est super. Ça m'est arrivé très rarement, ce genre de problème. Ok. Non, mais c'est bien. Enfin, là, les engins, ouais, c'est impressionnant. Mais j'aime bien les photos du début où tu montres absolument tout, voilà, comme ça. Donc là, à partir Ouais. du nouveau Star Wars. Ouais, la résistance et plus tard le premier ordre. Alors là, c'était vraiment. J'en avais pas énormément. On Donc était là, en la petite 2017 en même résistance. temps. Voilà, c'était la petite résistance avec les quelques soldats, les héros, notamment Finn, Poe, Rey, BB-8, les anciens héros. Tout ça, quelques véhicules et surtout le X-Wing de Poe Dameron, qui Ah reste assez ouais. classe et exposé. Oh, il est magnifique. Il est énorme en Voilà, plus. le Black One, comme il l'appelle. Purée. Ça fait des belles pièces, tu vois. Maintenant, On peut dire j'ai Lego, mais Lego, ça fait des super pièces. Des fois, un petit c'est peu même plus beau plus qu'une figurine, des du fois. côté de la résistance, notamment le bombardier de la résistance. Là, on enchaîne effectivement avec le premier ordre. Ouais. Là aussi, un peu maigrichon. Là, j'en aurai un petit peu plus 3 ans après, Ouais. notamment avec Kylo Ren. Les soldats, les petits soldats qui composent, hein, notamment les Snowtroopers, les Stormtroopers surtout, un Flamer Trooper aussi, c'est vrai qu'il fait un petit peu seul. Oui, c'est celui qui a Généralement, quand j'ai. l'épaule rouge, non? C'est ça? Non, là, il y en a un commandant des Ah Snowtroopers oui, c'est le premier ordre, commandant, après. celui qui a l'épaule rouge, oui. Mais vous savez, quand j'achète un Battle Pack, je l'achète souvent plusieurs fois, donc. Ah. Voilà, donc là vous avez quelques véhicules, notamment le Snow Speeder qu'on le voit très peu dans l'épisode 7 et encore. Ah, point d'interrogation, c'était quoi ça? Ça, c'est pour ceux qui n'ont aucun camp défini, hein, donc ceux de la bordure extérieure, comme on peut dire, entre guillemets. D'accord. Ah, là, Donc là, on y t'as du trouve, monde. on y trouve les différentes civilisations, les différents mercenaires, chasseurs de primes, droïdes, apparents, etc. T'as même des... Voilà, différentes versions de Boba Fett, les T'as chasseurs de même du primes, Jar les Jar. Death Watch. Les Mandaloriens, surtout. Ah ouais. Ah oui, le Mandalorian n'est pas encore sorti aussi. C'est vrai. Mass Katana aussi, des Naboo, des Ewoks, des Gungans, des Ouais. Jawai, des Wookiees, des droïdes, etc. Classe. Et t'as même des bâtiments justement un peu Voilà, des petits vaisseaux, des des petits trucs vaisseaux. Oh, de la t'as le bordure vaisseau derrière extérieure. là. Impressionnant. Moi, j'aime beaucoup le vaisseau des Mandaloriens, enfin les Death Watch dans The Clone Wars. Superbe. Et un petit bout de palette de Maz aussi. Oui, c'est Les vrai, petits j'arrivais vaisseaux pas à me remettre en. ça, mais. Et t'as le. Oh, comment il s'appelle? Pas le Kraken, le truc là qui Oui, bouffe. le Sarlacc. Oui, de Sarlacc, voilà. Ah, toutes les Ouais. boîtes! Oh, c'est trop bien que t'aies filmé ça! Oh, que ça nous Alors permet de oui, nous après, rendre il y a compte. une partie, une mise en scène un peu tarée, un peu décalée, Non, comme on mais trop dit. bien, parce que du coup, ça nous permet de voir d'où ça sort tout ça et à quel point ça fait beaucoup de boîtes! Oh, purée! Ah oui, alors après, Ah, et entre-temps, ça, j'ai c'est tout cool. rangé parce qu'il fallait de la place, Ah mais oui, effectivement, effectivement, t'en as j'avais plein en une. plusieurs exemplaires. Ça, c'est justement pour te confectionner souvent la plupart de tes armées en je sais pas combien. Après, tu peux pas acheter ça juste en figurine, tu sais, par exemple pour les armées. Alors, si, mais après, faut se rabattre sur eBay, sur des sites de revendeurs, mais c'est souvent très. Ah, d'accord. Donc, ouais, c'est un peu con, mais. Enfin, il y a des bricklings aussi qui permettaient, maintenant que ça a été racheté par Lego, donc je sais pas trop s'ils continuent ce genre de disposition. Ok. Donc là, un peu cette mise en scène un peu Ouais, je vois ça, mais comme non, mais Janet c'est cool. Day. Trop bien. Ah, c'est quoi la Tour Eiffel? Voilà, j'avais mis la musique des Dents de la Mer aussi pour créer le Ouais. suspense là. Tintin, Trop tintin. classe. Best actor ever. Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter là, c'est ça? Voilà, Oui, après, c'est pour. on va C'est arrêter quelques sur, petits mots à la fin. on va Après, arrêter sur il y a un Rexo. petit twist à la fin aussi, un petit. Ah, tu veux qu'on aille à la fin? Eh bien, vas-y. Allez. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais assez fier de montrer pratiquement toute ma collection Lego Star Wars qui date maintenant de 10 ans, quand même. Que des souvenirs. Alors, avec un grand regret aussi que je n'ai pas pu présenter tous les sets présents, car la plupart ont été détruits. Et ils m'ont été impossible de tous les reconstruire à temps, voire la flemme, si on peut le dire. Mais voilà, ça c'était vraiment une grande partie de ma collection, et comme je l'ai dit, j'en suis très fier. Même s'il y a des armées comme la Résistance ou Première qui sont assez rikiki, mais dans les années à venir, ça sera des grandes armées Mais glorieuses. tu as de quoi en être Voilà, fier. après tout, la famille ne fait que Effectivement. s'agrandir. Faut dire que chaque année, j'ai au moins plus de 17, ce
qui est quand même assez impressionnant, malgré mon budget un peu Peine faible, ouverte, si on c'est peut peine dire. à Voilà. Si tu as envie de soutenir plus ma chaîne, tu peux t'abonner juste ici. Voilà, dans le truc gratuit pour s'abonner. Voilà, si vous Si voulez tu as vous aimé la vidéo, abonner, tu peux c'est dans la mettre un like juste description. après. Oh! Ça y est, la vidéo est finie. Je peux enfin passer mes vacances tranquillement. Ah! Oh, il y a deux boîtes. Des boîtes opaques. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Et puis. Mais elles sont pas super spéciales et. Et donc là, la chute n'était pas faite exprès, hein, c'est ça? Alors, si, j'avais pensé à la chute, mais je pensais pas juste tomber réellement. Donc, en fait, j'ai fait un petit jeu de mots à la con, genre, on appelle ça une chute, lol. Ok, on est revenu sur l'image de base, très bien. Bon, bah ouais, nickel. Franchement, c'était une bonne idée, tu vois, de regarder ta vidéo en même temps et que tu la commentes. Comme ça, toi, ça t'évite d'avoir à tout ressortir parce que là, oui, je comprends. Ça aurait été pire qu'une torture, en fait, je crois, d'avoir à tout ressortir pour tout re-ranger ensuite, quoi. Enfin, le Même pas bordel. que ça, c'est aussi une vidéo un peu symbolique pour moi, parce que j'ai C'est tout vrai. fait pour cette occasion-là, donc en refaire une, c'est pas de la trahison, mais ça briserait le cœur d'en faire une autre juste pour un autre profit, quoi. Mais Non, mais t'as raison. voilà, bref. T'as raison, et puis je comprends maintenant. Bon, bah, en tout cas, je te remercie de nous avoir présenté bah, ta collection, autant dans ta vidéo, tu vois, que là, en live, en commentant ta vidéo. Donc, c'est cool, ça permet, tu Eh vois, bien. de voir un Eh petit peu, bien, bah, tu vois, parce que c'est des c'est. collections, mais là, c'est du Lego, mais tu vois, rien qu'en Lego, bah, tu peux voir des trucs incroyables. Moi, je vois des fois, quand je vois les gros vaisseaux, des fois, c'est même plus beau, c'est parfois même plus impressionnant que des figurines, tu vois. Donc, Ouais, c'est vraiment ça incroyable dépend pour le lesquels coup. modèles aussi. Ouais, je me doute, mais enfin moi je trouve ça, moi qui suis pas du tout dans le Lego, même si j'apprécie, tu vois, je suis pas connaisseur du tout, bah je trouve ça impressionnant. Donc non, Effectivement. pour le coup c'est cool. Voilà, bah, en espérant que ça continue de s'agrandir et puis qu'après sur ta chaîne tu puisses nous en montrer davantage. Peut-être ou à l'avenir, peut-être. Peut-être bien. Bah. En tout cas, je te remercie, Rexo, d'avoir réinitié ce concept de collection Eh Star Wars. bien, Et je te s'il y a d'autres remercie personnes surtout qui de veulent. montrer ma collection depuis tout ce temps. Oui, c'est vrai, parce que moi, ça fait un moment, je te disais, oui, je vais essayer de la passer et tout, mais c'est vrai que bah, au moment où je voulais le faire, j'étais plus assez posé, j'avais plus les moyens pour le faire. Là, maintenant, ça y est, je suis de nouveau Mais c'est pas posé grave, et je peux le voilà, faire. le Bah temps a fait ouais. son temps, voilà. Bah ouais, vaut mieux vaut tard que jamais. Et là, pour le coup, ben, Exactement. c'était plutôt cool de pouvoir le faire comme ça. Et puis, comme je disais, ben ouais, t'as réinitié le concept qui, moi, au bout d'un moment, voilà, j'avais plus vraiment envie d'en faire. Maintenant, j'ai de nouveau envie et j'ai de nouveau l'occasion de le faire. Donc, comme je disais, s'il y a des personnes qui veulent me montrer leur collection, ce sera évidemment avec énormément de plaisir. Donc, Eh n'hésitez ben, pas c'est à super me le dire sympa, en c'est super commentaire. sympa. Et ben, y a aucun problème, Bah, c'est n'hésitez avec grand pas plaisir. à montrer vos collections aussi, hein, ça doit être super sympa. Oui, et puis surtout que d'autant plus que depuis le temps, il y a du temps qui est passé et les gens ont eu le temps d'avoir des nouvelles pièces et puis surtout des pièces à jour, des pièces toutes récentes avec les derniers films qui sont sortis. Donc ce sera super impressionnant et j'ai vraiment hâte d'en découvrir. Donc n'hésitez pas, moi je suis là, même si vous avez une petite collection et tout, tant que c'est une chose que je disais à l'époque, c'est que tant que vous êtes passionné par votre collection, par ce que vous avez collectionné et par ce que vous voulez montrer, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est allez-y. Quand on Oui, parle avec chacun ses passion, passions, chacun. mais ouais, Par il n'y a pas de exemple, je ne problème. sais pas si vous collectionnez des sextoys, il n'y a pas de souci, je Oui, alors là, suppose par que contre, ça ce sera dans marche une autre catégorie de YouTube. aussi. Je sais même pas si ce sera sur YouTube. Étonne. Alors, non, mais en tout cas, ouais, non, mais il a raison dans le sens où, quelle que soit votre passion, bah, vous pouvez venir m'en parler, montrer votre collection, il n'y aura aucun problème. Bon, sur ce, je te remercie, Rexo, encore une fois. Et bah, je te Voilà, dis à une après prochaine. Tu sais quoi? Je te dis à dans 10 ans. Pour tu vois, une collection toute renouvelée, encore plus Eh bien fournie, oui, pour les enrichie. 50 ans de Star Wars, on verra bien. Et les Allez, 20 ans de collection. Et deal. j'en rajoute encore, si vous voulez me suivre niveau vidéo concept, n'hésitez pas à jeter un œil sur la chaîne Cinerexo. Voilà, j'essaie de mettre plus de vidéos en ce moment. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà, et ben, le message est passé et j'espère que Et ce merci sera encore à avec toi, plaisir. Kishni. Mais il n'y a aucun problème, tu sais très bien que c'est toujours avec plaisir. Bon bah écoute,
Sur ce, et écoutez tous, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Salut à vous tous.